Hey! Salut à tous, c'est NT. On se retrouve pour le 9ème épisode de Super Mario Galaxy. Et il me semble... Alors, pourquoi ça s'affiche pas, tiens, sur l'écran? Hey! Pourquoi ça s'affiche pas? Bon, normalement, il y avait une comète blanche qui devait arriver. Mais l'écran, il avait rien d'affiché. Pourquoi il y avait rien d'affiché? C'est bizarre. Normalement, il y a une comète blanche qui est juste ici. Si on a bien regardé... Non, c'est pas ici. C'est peut-être dans la salle de bain, alors. J'ai pas bien regardé, c'est peut-être dans la salle de bain. Dans ce cas-là, peut-être que c'est dans la salle de bain. Donc, 9ème épisode de Super Mario Galaxy. Ah, voilà, bah, l'écran s'est rallumé. Et, oui, la comète blanche est bien dans la salle de bain. Bah, écoutez, c'est parti, allons dans la salle de bain. Il y a aussi des gens qui m'ont dit que j'ai oublié quelque chose. Que j'ai oublié une étoile secrète. Et donc, du coup, je pense qu'on va le faire ensemble. Voilà, tout simplement. De ce que j'ai compris, c'était dans le tuyau... De l'endroit où il y avait la décharge, apparemment. Mais moi, je pensais que le tuyau de l'endroit où il y avait la décharge nous ramenait, en fait, à l'endroit précédent. On verra ça. Du coup, comète blanche, on va à la forteresse rocheuse. C'est parti. Comète blanche en chemin. Alors, les comètes blanches, qu'est-ce qu'elles font? Bonne question. La menace Begoman, pas de seconde chance. Ah, il faut le réussir en une fois. Ah, il faut vraiment le réussir en une fois. Bah, de toute façon, on l'avait réussi assez facilement, la menace de Begoman, non? Il me semble. Ah, et puis on arrive directement sur le... Ah, pas... Ah, d'accord. Ah, pas de seconde chance, genre... Ah oui, genre... Genre pas de seconde chance du tout, quoi. Ah ouais, mais attends, mais on n'est pas prêt là. Moi, je suis pas prêt, hein. Oh là 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 là. On va avoir du mal. Pas de seconde chance, mais on a qu'une vie, quoi. Ça va être compliqué, hein. Ça va être vraiment compliqué, hein. Une vie? Ok, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait. Merde. Faire attention. Ok. Non! Putain, il m'a fait tourner contre le truc. Arrête. Arrête! Allez! Allez! Ok, on est bon, on est bon! On est bon! On l'a fait! Mais à un moment, les bonhommes, ils m'ont envoyé contre le bord. Je crois que j'aurais dû mourir. Je suis vraiment pas sûr, mais au fond de moi, selon mes croyances, j'aurais dû mourir. Voilà, je préfère vous le dire. Bon! Un 9ème épisode qui commence pas si mal que ça. Est-ce que la galaxie est complète du coup? La bibliothèque d'harmonie est ouverte. La lecture du livre d'histoire peut commencer. Vous regardez, ok. Et la galaxie est pas complète. Donc vous aviez bien raison. Il y a une étoile cachée du coup. Il y a une étoile cachée dans celui-là. Faut juste que je retrouve du coup c'était auquel? C'était au deuxième ou au troisième? C'était celui avec les bombes. Donc c'était pas Begoman. C'était l'autre. Donc, l'assaut de la forteresse, l'infiltration de la forteresse, la menace de Begoman, ça devait être l'infiltration de la forteresse. On va voir. On va voir si vous aviez raison. Hop. Toc. Allez, on va y aller. Ah, rapidos. Je sais pas si on peut le faire comme ça. Ah, eh ben non. C'était inutile. C'était inutile. Bon, c'est pas grave. On va se prendre la bombe ici. Hop. On va la mettre direct là. Et comme ça, on sera bon. Mais, ouais, donc vous m'avez dit qu'il y avait une étoile secrète. J'ai lu les commentaires et, bah, merci de me l'avoir dit en tout cas. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, j'étais sûr qu'il allait rater l'étoile secrète. Ah là 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 là. Et oui, peut-être. Peut-être que je l'ai raté, en effet.
En fait, voilà, certaines personnes m'ont dit, il faut que tu ailles donc dans l'endroit où t'es allé vers le Lumaglouton là. Et en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas faire ce truc là, mais aller ici. Bah pas du tout. Bah pas du tout. Pourquoi vous m'avez dit ça, les gens? Pourquoi vous m'avez dit ça? Eh ben comment je fais pour revenir maintenant? Retourner à l'observatoire. Mais pas du tout, les gens. C'est quoi ces gens-là qui me disent du caca? Hein? Bon, c'est quoi la bibliothèque, là? Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est, la bibliothèque. Parce qu'il a dit la bibliothèque est ouverte. Mais où est-elle? Quelle est cette bibliothèque? C'est ça, la bibliothèque? Que dalle. C'est quoi, ça? Non, ça, on peut toujours pas y aller. Ok. Oui, waouh, waouh. 1, 2... 3, 12. Bah, bibliothèque, je sais pas où c'est. Bref, on va aller par là. Ouh. Ah. Wouah. C'est ici la bibliothèque en fait. Mais elle a pas ouverte. Si? Bah, non, elle est pas ouverte la bibliothèque. Attends, je peux pas monter là? Si, je peux monter. Très bien. Et donc, du coup, c'est là qu'il faut que j'aille. Ok. Nous avons découvert leur poste avancé. J'espère qu'ils ne préparent pas un mauvais coup en utilisant l'énergie des étoiles. Bah si, en fait. Ok. Je me rappelle pas de ce truc là. Donc du coup, on peut ouvrir toutes les galaxies quasiment. Ça n'a pas de sens, on peut ouvrir celle-là. 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 Si je faisais un speedrun, je pourrais déjà directement aller faire Bowser et ouvrir l'autre galaxie. Eh bah écoutez, on va commencer par le défi de la bulle. On aime bien les petits défis. C'est parti. Défi de la bulle, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'est. Je crois que plus on va aller loin dans le jeu, plus je vais ne pas savoir quelles sont les choses. Mais du coup, c'est cool. C'est une bonne chose. Défi de la bulle. Ok. Ah, on va être une bulle volante, c'est ça, non? Y a pas un truc dans le genre? Je ne sais pas. Contre vents et marées. Ah, pam. Ok, c'est marrant. C'est marrant parce que normalement c'est contre vents et marées et pas contre vents et marées. Ok, alors. Est-ce que je peux genre... Aïe. Ouais, attends, calme-toi, toi. Non, ça ne tape pas là-dedans. Ok, bon. Bonne question. Alors, je sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Peut-être qu'il faut parler à lui, hein. Le vent souffle fort, mais ça doit être agréable de s'y laisser porter. Et donc tu veux que je m'y laisse porter? Sérieusement? Non, je pense qu'il faut... Attends, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse avant. On aille là. Hop, là, il y a un truc à faire. Voilà. Ah! Là, oui. Là, je comprends. Là, on va devoir aller dans la bulle. Souffle sur la balle en appuyant sur A. Oh, je m'en rappelle pas de ce niveau. Je ne me rappelle pas du tout de ce niveau. Ok. Bah en gros, pour le moment c'est facile. Ah oui, mais il y a des trucs qui explosent. Ah. Ah, ah, ok. On en a un déjà. Ah mais ça va en fait, on... Ok, je me disais on meurt si on touche les hélices, mais en fait que dalle. Ok, on en a deux maintenant. Bon, ça va le faire. Est-ce qu'on peut passer là, tiens? Oui, on peut passer là. Ok. En fait, il suffit de souffler autour. Hop, parfait. On va aller par ici. Ça va pas l'air trop compliqué. Ok. Là, on est bon. Là, on est good aussi. Et puis là, il y a le dernier, en fait, à avoir, qui est juste ici. Voilà. Et donc, du coup, l'étoile, elle est... Ah, faut revenir par là. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a par là, tiens? Bonne question. Vas-y, bouge. Parfait. Bah rien de spécial en fait, il y avait rien de spécial par là. Et du coup on va, hop, on va aller au bon endroit et... Non! Attends. Ok, voilà, c'est ça. Wow! Il y en avait plein!
J'étais pas prêt, c'est pas grave. Ah, il y a un autre, d'accord, ça ne se finit pas là. Mais j'entends l'étoile. J'entends l'étoile, donc j'ai envie de te dire, on n'est pas trop loin de celle-ci. Hein. Ok. 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 On va aller voir le petit monsieur là, ici. Bah écoute, on les prend tous, hein. Voilà. Ok, on est bien. Là, il y a encore une... Ah bon. Parfait. On va aller... on va aller prendre toutes les pièces. Même si en soi, elles n'ont pas trop d'intérêt. Ok. Est-ce qu'il y a un truc par là? Oui, il y a un truc par là, totalement. Hop, on va aller par ici. On continue tout droit. Et là, il va falloir faire ça. Comment on fait? Est-ce qu'il faut faire un saut rodéo, genre? C'est ça! C'est bien ce que je me disais. Wow, c'était chaud, hein. Il y avait pas beaucoup de temps. Il y avait pas beaucoup de temps. Mais bon, on avait compris qu'il y avait du temps, de toute façon. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, faut essayer de comprendre. Alors, donc on va aller par là parce que déjà, il y a une petite pièce. Ok. Et du coup, bon, on va suivre les pièces. Attends, bah si, aussi, on va suivre les pièces pour le moment. Vas-y, parce que sinon après, elles vont disparaître. Normalement, elles disparaissent les pièces si tu mets trop de temps. Bon. J'ai envie d'aller chercher la vie, moi. Allez. Aïe! Est-ce qu'on a tout perdu? Oh non, merde. On reprend où? Ah, on reprend là! Oh, ça va. Ok, bon. Ben, en fait, j'aurais mieux fait de pas aller chercher la vie parce que ça m'a fait perdre une vie, en fait, de le faire. Donc un petit peu nul. Donc je n'irai pas chercher la vie cette fois-ci. Hein. Hop. On y va. Allez. Vas-y, laisse-moi avancer. On y va par ici. Ok. Allez. Non. Ah bah oui, non, c'est bon. C'était pas drôle, ça faisait peur. C'était pas drôle, c'était pas drôle du tout, mais on l'a réussi. Bon, très bien, bon, deuxième étoile. Je t'avoue que j'ai eu peur, je vous avoue que j'ai eu peur, je sais pas vous, moi j'ai peur. Mais n'empêche, au niveau vie, je sais pas si vous avez remarqué, mais je m'en sors bien. Parce que j'ai, bon, galaxie complète, très bien, ok, parfait. Qu'est-ce qu'il a dit, un nouveau champion? J'ai pas entendu. J'ai pas lu en fait, surtout. Niveau vie, je m'en sors bien. Regardez, j'en ai 31. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 3 épisodes de ça, j'étais à 13. Donc ça va, je m'en sors bien. Alors, on peut pas l'ouvrir celui-là, non, pas encore. Plage Saladier ou Galaxie Fantôme? Eh ben, commençons par la plage Saladier. Allons un coup à la plage. Allons un coup à la plage. Alors, quel est le nom de celui-là? Scintillement au fond des mers. Ah, on va devoir aller sous l'eau. On va devoir aller sous l'eau. On va devoir aller sous l'eau. Underwater. Parfait. Bon. Ok, donc il y a des petits éclats. Très bien, donc c'était ça le scintillement. Je m'en rappelle de ce niveau-là. Donc en fait, il va falloir juste aller sous l'eau. Alors, attends. Est-ce qu'on peut... Attends, quand on était là, on les voyait bien, en fait. Normalement. Pas du tout, si. J'essaye de lever la tête, mais on voit pas mieux. Est-ce qu'on peut monter? On peut pas monter? Ok. Très bien. Très bien. Je m'en rappelle pas du tout de ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce que ce serait pas un truc secret? Je sais pas du tout, hein, je me demande.
On est sous l'eau ou on n'est pas sous l'eau? Bonne question. La physique est étonnante par contre. Ok, en fait il faut utiliser les... Il faut utiliser les blocs et casser les bons en fait. Et donc là si je fais ça, tout se transforme en petites étoiles, en poussière d'étoiles pardon, en fragments d'étoiles. Et là, hop. Et voilà. Comme ça on a des fragments d'étoiles en plus. Et ben voilà. C'était sympa. C'était sympa, ça nous a permis d'avoir quand même pas mal de fragments d'étoiles d'un coup. On est plutôt content. Et on peut pas monter là. Si on peut, voilà, très bien. Qu'on explore un petit peu encore. Alors je vois qu'il y a un pingouin par ici. Je sais pas s'il est gentil. Là on peut descendre par là, il y a un coffre ici. Je sais pas comment il s'ouvre le coffre. Bonne question. Peut-être qu'il faut la clé. Ouais, en tout cas c'est pas comme ça. Très bien. Bon, bah nous ce qu'on voulait c'était aller sous l'eau quand même et récupérer les fragments d'étoiles, non? Enfin les fragments de... Voilà, par exemple il y en a un par ici. Normalement si on prend des pièces également, ça nous permet de... ça nous récolte notre... Ah bah là aussi ça nous refait notre air. Ok, ça aussi, ok. D'accord, si on prend des bulles en fait, les bulles d'air nous refont notre air. Ok. Ça c'est bon. Alors là on va entendre qu'il s'ouvre. Vas-y ouvre-toi. Merci. Ça c'est fait. Ensuite il y en a une autre par là-bas. Après les autres je sais pas trop. Je vous avoue que là, après celle-là je ne sais pas trop. Eh ben si, quatrième par ici. Ouais, alors Mario, merci. Et l'autre, est-ce qu'elle serait pas dans un... Elle serait pas cachée dans un cube là, ou dans un truc dans le genre? Pas du tout. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu, hein, ça aurait clairement pu, hein. Alors, je me prends de l'air un petit peu. On va prendre ça d'ailleurs. Tiens, ça c'est pas mal. Bon, où qu'il est le dernier truc? Bonne question. Ah voilà, il était là. C'est bien ce que je me disais, il était dans une caisse. Vas-y Mario. Putain Mario. Normalement on peut... Alors attends, bon. Non mais là on n'est pas bien orienté. Attends, je vais aller chercher de l'air. Voilà. Et là on va le faire aller. Voilà. Mario, je voudrais tourner la caméra. Merci. Ouais, ça me paraît un peu mieux. On est un peu mieux engagé là. Voilà, voilà, là c'est mieux. Il y a juste un problème, voilà, de caméra parfois dans ce jeu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en sort bien. Good. Où est-ce qu'il nous envoie? Ah bon, on aurait presque pu y aller tout seul là. Hop. Un lapin magique. Et c'est bon, on l'a fait. Tout ça pour ça? Ah d'accord. Et comment on est censé l'avoir celui-là? Je sais pas du tout comment on est censé l'avoir. Hein. Ah peut-être avec ça, en fait. C'est ça. Ok. Ok, pas mal. Bon. Là, il y a un truc à faire. Pas du tout. Je pensais qu'il y avait un truc à casser, mais en fait non. Ok, très bien. Eh ben écoute, on va refaire ça. Hop. Ah attends, faut qu'on se mette au-dessus quand même. Ok.
À ton tour. Ah, voilà, parfait. Ok, on est bon. Là, il n'y a rien là-dedans. On casse la petite glace. Et puis, bah, ça y est. Ça y est, on a une nouvelle étoile. Donc, ça nous fait notre troisième étoile de l'épisode. Parfait. On s'en sort bien. On s'en sort même très très bien. Même très 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 bien. Vous avez trouvé une étoile, plage saladier scintillant des fonds des mers. Nouveau record, 880. Un goinfre luma est apparu. Ah, juste à côté. Vous voulez aussi regarder, ok. On va regarder combien il nous demande ce goinfre luma. C'est parti, le goinfre luma. De toute façon, c'est toujours des petits niveaux assez sympas, les goinfres luma. Hop, on y va. Salut toi. Alors, combien tu nous en veux? Moi je sens le 700, hein. Il nous en voulait 500 la dernière fois, moi je sens 700. Après peut-être c'est 1000, on va voir. 600, ah 600 ça va, 600 on les a. Et voilà, ça y est, je suis repu. Alors, on y va, transformation. Et ben voilà, ah, super. Il y a des gens qui ont ragé parce que sur la dernière planète Luma, bah j'ai grave géré, enfin je l'ai fait en deuxième coup, il y en a ils ont fait ah, j'ai passé 2 heures dessus, c'est trop dur. Ouais mais bon, ça y est moi. Moi je suis, comme quelqu'un l'a dit dans les commentaires, je suis fort sur les niveaux difficiles et je suis nul sur les niveaux faciles. L'invasion des anguilles géantes. Eh bah c'est parti. Ouh là 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 là. Ah oui oui, ok. Ok. Ok, bon, pourquoi pas. Ah oui oui, ok. Je vois. I see. Ouais, ok. Très bien, bon. On va parler au grand-papa. Non, pas toi. Papy a perdu ses dents, alors il a un peu de mal à parler. Depuis que ces énormes anguilles sont arrivées et on n'arrive plus à prendre des poissons. Tu veux bien en débarrasser? Ok, d'accord, très bien. Allez, on y va. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, attends. Hop. Hop. J'ai du mal, hein. J'ai du mal. Ok, là, on est bon. Et là, j'ouvre le coffre. Et... Eh hey. Voilà, parfait. Ok, ça, c'est fait. Il y a un autre coffre juste ici. On va aller le prendre. Allez Mario, très bien. Il va trop vite, il va trop vite, il va trop vite. Tu vas trop vite Mario. Ok, ça c'est fait. Ah ah. Ok. C'était pas vraiment lui que je voulais. Ok, bon, il faut débarrasser des anguilles. Alors, les anguilles. Il suffit de les trouver en fait et de leur lancer dessus. Genre comme ça. Voilà, parfait. Ça en fait une. Par contre, on a plus d'air, les amis. Nous n'avons plus d'air. Donc on va vite remonter. Ah, pardon. Ok, c'est bon. Ah ah, il y a des torpilles. Ok, très bien, ça fait plaisir. Oh, ça c'est cool. Est-ce qu'on peut s'en aller les torpilles s'il vous plaît? Je n'aime pas vraiment le fait que vous me suiviez de cette manière. Voilà, je tiens à vous le dire. Ok. Ok. Alors on va se calmer madame la torpille. Alors il faut que je trouve une anguille. Il y en a une là. C'est ça, il y en a une là. Et... Ok, on est bon. On va aller chercher ici. Alors, il y en a une dernière. Normalement, il y en a 3, il me semble. Voilà, elle est là.
Non, si c'est bon. Oh là là, j'ai eu peur. Normalement les rouges suivent, enfin elles font, elles sont censées te suivre, mais j'étais pas sûr de ça. Ah par contre où elle est? Bonne question. Dans le bateau normalement. Normalement juste là du coup. Ok. Et voilà. Bon. Bah on a bien géré, ça nous fait 4 étoiles dans l'épisode, c'est parfait. C'est parfait, bah ce Goinfreluma aura été plutôt aisé à mettre à mal. Et bah ça nous fait 30 étoiles. Galaxie complète, nouveau record, boum. Une nouvelle galaxie a été découverte. Ah bah voilà, c'est celle qu'on n'avait pas dans la cuisine. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Bien entendu qu'on sauvegarde. Eh bah écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce 9e épisode de Super Mario Galaxy. J'espère que vous l'avez kiffé. Comme d'habitude, l'habituel, l'habituel pouce bleu. N'oubliez pas de me suivre sur TimeNote si vous voulez avoir le calendrier des prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste ici. Activez la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Ça fait beaucoup de choses, mais en tout cas, on se retrouve la prochaine fois. En attendant, restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était NewtyTuff. Bye tout le monde.